Salut tout le monde, ici SneakToot, de retour avec Resident Evil 4 Remake, et lors du dernier... Attendez deux secondes. Ouh, je te tiens, espèce de saloperie. Putain, c'est reparti avec les amulettes. Et je disais donc, lors du dernier épisode, nous avions perdu notre pote Mike, qui s'était malheureusement fait tuer par les méchants insectes de Saddler. Et dis donc, ça va aller vite. Je le sens, ça va aller vite. Oh, mais dis donc, il est en plein dedans. C'est quoi cette blague? Est-ce que c'est la maison du vendeur ici? Mais putain, mais tu te fous de ma gueule. En fait, on va avoir les amulettes bien avant de commencer la quête. Regardez bien. Médaillon bleu. Ils sont où les autres? Ouais. Ouais, avant de rentrer, on va faire ça tout de suite. Hein. Attendez, médaillon bleu. Il y en a un qui est genre vraiment... qui est genre dans la mer. C'est quoi ce délire? Genre... plutôt par là. Genre là, je suis en train de regarder le médaillon. C'est pas un peu de la couille que t'es en train de me... Quoique, ça aurait été quand même vachement original, hein, un médaillon à la mer, mais... Là, très honnêtement, je vois rien. Il est sûrement en bas. Attendez, on va grimper. Est-ce qu'on peut grimper ici apparemment? Ouais, c'est bien, on va se faire des ressources. Des pesetas sans plus savoir quoi en faire. Ce qui tombe très bien. Et alors... Ouais, les deux dernières, je vois pas trop, hein. Mais je sais une chose pour sûr, c'est qu'on peut descendre ici. Regardez bien. Bah, quoique, c'est sûrement la suite des aventures. On va quand même vite aller voir notre ami le vendeur. Parce qu'en toute honnêteté, je sais pas si c'est par là la suite des aventures ou pas. Ouais, c'est totalement par là la suite des aventures. Ouais, y a pas le vendeur ici, hein. Mais y a un trésor. Attendez, avant d'aller voir le vendeur, on va aller voir. On va aller par là, choper un trésor. Et j'entends le doux bruit d'une figurine à Salazar. Mais décidément, aujourd'hui, la visée, hein, 10 sur 16, c'est pas mal. Transfert des spécimens. Les réparations se sont déroulées comme prévu, l'installation ayant précédemment servi au confinement. Quelques travaux minaires ont su faire renforcer l'étanchéité et à moins d'un problème lors du test du système de refroidissement, nous prévoyons de faire venir ici tous les spécimens restants du bâtiment 1. Tous les spécimens ont été transférés, cependant, nous avons rencontré un léger souci lors du transport. L'un d'eux s'est montré violent. Heureusement, il a fait moins de victimes que prévu. Faites preuve d'une extrême prudence avec ces spécimens. Les derniers rapports indiquent qu'il commence à acquérir une tolérance aux basses températures. Ce qui n'est jamais une bonne chose. Bien. C'est une blague, j'ai fait ça moi-même. Oh putain, quel con. Vous croyez qu'il va me suivre dehors?
Et il se transforme pas avec ses grosses fesses là. Regardez-moi ces jiggle physics de fesses. My booty don't keep a jiggle. It falls. I'd like to see you wiggle wiggle. For sure. Making me a jiggle wiggle. You know. Riding in the Fiat. You really have to see it. 6'2" in a compact. No slack. Bon. On va descendre. On va aller voir ce qui se trouve dans cette espèce de souterrain magique dont je n'ai aucun souvenir. Peut-être le vendeur, hein. Peut-être que c'est le vendeur ici. Ou peut-être qu'on va enfin pouvoir. On va enfin pouvoir niquer la gueule à ce médaillon énigmatique. Quel énorme coffre. Je te tiens. What is this? Wow. On est bien là, les gars, on se met bien. On se met bien de ouf. Épitaphe de la falaise. Donc ça c'est 1100... Ouais. 27. 1000... Le dé j'ai oublié. C'est en 1027? Non. Les os de nos frères reposent dans toutes les terres, le sang de nos frères est dans notre nourriture, nous mourrons seulement pour renaître, nous vivons pour l'éternité, notre règne est absolu. Keenan Sadler. Le père de Sadler ou l'arrière arrière 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 grand-père de Sadler. C'est totalement possible. En tout cas, très chouette ce clin d'œil. Donc, ils ne débarquent pas de nulle part. Ils étaient déjà installés en Espagne depuis des générations, en fait. Impressionnant. Impressionnant. Donc, attendez, là. On est au bon niveau, mais je comprends pas. J'arrive pas à trouver. Genre, je peux pas monter par là. L'échafaudage, il est niqué. Donc, comment faire? Non, c'est pas ici du tout. Mais ça, je comprends pas. Il y a un chemin. Ici, il y a une échelle. C'est cette échelle-là, hein. Et là, on est en plein dessus. Enfin, on était en plein dessus. Est-ce qu'on peut le voir d'ici ? Ouais, vous savez bien, ça me saoule. Hein. On a un médaillon prêt, on va pas laisser tomber comme ça quand même. Mais je vois vraiment pas par où. Ici au-dessus. Oh, putain de saloperie. Finished. Très bien. Very good. Il nous faut plus qu'un vendeur. Un gentil petit vendeur. Et faire giga gaffe à ces trucs. Genre, faut plus les toucher parce que là-dedans, il y a des putains de régénérateurs. Armé, on a ce qu'il faut. On peut les déglinguer, on a la puissance pour. Le
problème va être de réussir à les éviter comme il faut. Je suis une sorcière. Ok. D'autres trésors. La carte me dit que non. Mais mon cœur me dit que oui. Merde, je suis dans la barbe, merde. Putain de mes couilles. Putain de mes couilles. Oh non. Non, c'est ça. I shot you. Putain, quel con! Oh, on est mal, hein, les gars. On est giga mal. Non, ils sont trop nombreux. Oh putain, c'est vrai! Suis-je bête? Tu ne peux pas mourir. Putain, c'est trop dur. Oh, aïe aïe aïe. Ah bah oui. On cherche le Théon. On est dans la merde. Il va se reconstruire aussi lui. Bah oui. Quelle question, hein, ouais. Je l'ai pas touché genre 15 fois à la tête là. Pour la première fois depuis le début du let's play, on a plus faux. C'est génial. Incroyable. Ça s'est passé de la pire manière possible. De la pire manière possible. Mais nous sommes vivants. Oh, t'es enfin là, toi ? Enfin. Oh, je crois que c'était un trésor, ben, c'est juste une visseuse à la con. La visseuse des Ganados. Mmh, I see you took care of a request. Well, merci. Well, look at you, mate.
Merci. What can I do you for? Ouais, ça sert toujours. There's some things. A wise choice. I know. I say that a lot, but I mean it. Ah, I'll buy it at a high price. Alors déjà, fais-moi un plaisir. Knife needs care every once in a while. Couteau militaire, on peut pas le. On peut pas l'améliorer. On peut le réparer. Gilet pare-balles. That's good work if I do say so myself. La puissance du stingray. On peut. See how that feels, mate. La puissance du killer seven. Fellow like yourself should notice the difference right away. Not enough cash, stranger. Got a sal- Don't get yourself killed now. J'ai envie d'aller dépenser toutes mes petites piécettes là. S'il y a moyen d'avoir le truc striker. En fait, il y a un petit porte-bonheur qui est un porte-bonheur en forme de striker qui augmente notre vitesse de course si on est équipé avec le striker, et c'est quand même assez légendaire. Fanatique avec fou, celle-là je l'ai pas. Enfin, je crois. Vas-y. Ah. Oh là là, les gars. Oh là là, génial. Les gens, c'est ce que je voulais. C'est pile poil ce que je voulais. On va s'équiper tout de suite avec ça. Hein. Ah, je vous en parlais et c'est arrivé. Putain, faut que je joue au loto aujourd'hui. Ouh. Alors, voyons voir. Vas-y. Ma mallette. Yes. Alors, on va retirer quoi? On va retirer prix de revente des munitions, ça non. Prix de revente des armes, plus 20%, ça non. Et fréquence de bonus de création, on va l'enlever. Et on va le mettre à droite. Oh là là, yes! Donc, on a le striker. On court 8% plus rapidement. Ça se sent. Ça se sent de ouf. Voilà, merci. Et on va continuer l'aventure, hein. Oh là là, j'y crois pas. On a eu le truc striker. Putain, trop stylé. Trop stylé. Par contre, on a 3000 pesetas, pas assez pour faire quoi que ce soit, je vous le dis tout de suite. On va peut-être se fabriquer des trucs nous-mêmes. Une munition de fusil, par exemple. Et des munitions de pistolet, hein. C'est plus important que le reste. Sans pistolet, pas des shots. Quoi? Oh, un autre parcours du combattant, rien pour moi. Ashley, I'm coming. Oh, je t'avais pas vu, saleté. Oh, putain. Keep coming. Bien, franchement. Une herbe rouge, je me foutais avec ça. On est mal au niveau des soins, va falloir faire giga gaffe à partir de maintenant. Ouais, d'ailleurs, la lunette, voilà. Bon, un au moins. On va en sniper un max. On va sniper tout ce qu'on peut sniper, hein. Déjà fini la musique? Effrayante? Arrête tes conneries. Donc ceux-là, on peut pas les désarmer, hein. Oh oh oh, le con! Oh le con! Oh. Ils se tuent entre eux, ces cons, hein. Ah, ils sont vraiment nuls. On les déglingue en un coup maintenant. Ouais, je voulais pas faire éclater le tonneau. Voilà tout. Oh, on lui a déglingué la nuque, la pauvre créature. Ils font quand même de la peine, je vous avoue. Mais ta gueule. Hein. T'es où d'ailleurs? Ok, je te vois. Je t'ai repéré, ne t'inquiète pas.
Oh, mais c'est pas du bullshit, ça, on m'a dit. One down. C'est pas du putain de bullshit. Mais si, si, si. Oh, quoi, trop bien. Trop bing. Oh, un black bass, il sort d'où ce black bass? Comme on est mal, les gars, on est mal. Bon, cela dit, on pourra pas dire qu'on n'a pas utilisé nos ressources pendant le let's play, hein. Il y en a un qui se promène là-bas, moi je cours. Putain, quel débilos. Quel débilos, je l'avais pas vu. On va voir si eux ils sont débilos aussi. Vas-y, viens, t'es où? Bah non, vol. Débilos, débilos. What you gonna do? What you gonna do when we come for you? Débilos, débilos. Vas-y, viens, débilos. Ah, ils sont intelligents, bordel. Ah non, ils sont cons. Cons comme leurs pieds. Vas-y, viens. Oh, bah, décide-toi, putain. Putain, vraiment pas con, hein. Pas aussi con qu'on le pensait, finalement. Quoi? Oh, tout ça. Vous êtes tous à rien pour moi. Ok. Georges, je l'ai pas touché, lui. Georges, je l'ai pas touché. Mais bien sûr. Allez, je sortais pour machin. Voilà, d'autres. Il y en a d'autres qui veulent tester. Hein? Je crois pas. Ferraille. Allez, fais-moi le plaisir de recharger. On rate rien là-dedans. Où ça? C'était peut-être un peu overkill, mais c'était pour le plaisir. Alors? Bah, j'imagine que c'est par là que moi je dois aller, mais... Ah, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Ouais. Cool. Ça aussi, c'est très très bien. Voilà, j'ai l'impression qu'on n'avait pas vraiment bien tout exploré ici. Mais si, en fait, si, parce qu'il y a ces putains de lasers de la mort. Ouais, là, c'est mort. Donc on passe par à côté. Peut-être.
Oh, copain! Gigi Goldman! Marshall! C'est Hitler! Oh là là! Quel stress de merde! Oh, c'est pas bon! Present for you. M'empêche pas de mettre des putains de têtes. Lâche ton bouclier de mes couilles. Oh non. Je déteste ces petits machins de merde. Il y a même pas de musique tellement que vous êtes rien du tout. Quand on vous tue. Est-ce qu'on a... Voix, munitions, mitraillettes, genre. Ah. Une grenade aveuglante, ouais, parce que, mine de rien, ils nous ont vraiment servi d'ouf. Mal ça. Y'a quelque chose par ici? Franchement. Ça sert à quoi ce petit renfoncement? Il va y avoir genre une clé à obtenir. N'importe. Putain, il se la pète pas lui, on m'a dit. Moi, Adam. Ève? Où qu'elle est passée, Ève? Putain, le trône, la salle du trône de Salazar. Beaucoup plus stylé Ashley. Que dans l'original. Putain, elle est juste là, Ashley. C'est quoi cette blague? Ouais, je vous refiler ça. Sa maladie sexuelle. You see, we are all connected through the holy body. And now your flesh and bones, your very thoughts, are already one with us. Bullshit. Bullshit. Why do you reject serenity? When you need only accept the sacred gift. Like she did. Sadler! Ah yes, the time has come. For this lamb to join our covenant. Ada fait quelque chose. Oh, blessings unto him and the sweet mercy they bring. Exalt all and let it be done. Yes! Putain, Ada, t'es la meilleure. Leon! Go! Ouh, Ada! On voit une sacrée fière chandelle. Faut sortir les balles par tes doigts. Ouais! Il l'a fait! Elle est forte là, la bouge. What is wrong with you? Et normalement, la machine, elle est juste là. Damn it.
La machine pour Las Plagas, elle est juste ici, je crois. Laboratory B. Ouais. Looks like it's this way. J'espère qu'il n'y aura rien sur notre chemin. Putain, elle est où ? Active. The hell. Active, Léon, active, bordel. Oh, Dieu Jésus, il est en train d'avoir un flashback à la Batman. Tu n'as pas perdu tes parents dans une allée du crime, Léon. Laisse tomber les flashbacks, c'est pas pour toi. Force de la volonté d'acier. Wow, wow, ils sont tous là avec nous. Lâchez-moi la grappe pour m'énerver. Hey, j'adore ce point de vue de Las Plagas. Sadburg essaie de nous empêcher d'arriver au bout, c'est incroyable. Ouh, allez, on est là, on y est, bordel. Lève-toi, Léon, lève-toi. Ouvre. Putain, la clé de Lewis. C'est à ça qu'elle servait depuis le début. Putain, Louis, fière chandelle. Oh. Allez, libérons-nous tout de suite. This time, it has to be different. Putain de héros. Ça va être douloureux, ça, c'est pas bien. You go first. No way. Like I told you, I'm gonna get you home safe. Saloperie, hein. Ça s'agite. Hein. Oh. À nous maintenant. Oh putain. Oh, elle va nous le faire, elle va nous le faire. Fin de chapitre. Sauvegarde vite. Il me tarde de voir ce qui se passe. Ça va être le chapitre final. Hein. Non, on a terminé le jeu. Chapitre final, vas-y. Ashley. Ashley. Et elle va se calmer, elle. Okay. Ada est dans le coin, fais gaffe, Ashley. Elle va te sniper. You did this. Yeah. Yeah, I did this. Can you stand? Ça va, il me faut juste une herbe verte. The map? Yeah, I found it. I think it says we can get out if we go... this way. Hey, we're a team, right? Ah, disons que je fais 80% du boulot. Keep this up. Tu fais le 20% du cassage de couilles. Cool. So all of this, removing the parasites, this was the weeks. Yeah.
We're alive. Thanks to him. Quel putain de héros, Louis. Quel putain de héros. Allez, ramasse les ressources. Et... ouais, on va terminer l'épisode d'aujourd'hui ici. Merci tout le monde de m'avoir suivi. C'était Snake Tooth avec Resident Evil 4. Not the most uncomfortable place I've slept before. Et puis voilà, je vous dis au prochain épisode qui sera sans doute le dernier de ce beau let's play. Allez, je vous fais à tous des gros bisous. Ciao!